On a décidé de devenir des grands-mères et de percer sur TikTok. Notre compte est créé Mamou et Mimiche. Vous percez le plus vite possible. C'est ultra réaliste, regarde. C'est vraiment compliqué. Mamie. Oh, le stress, ça. Il faut poster, il faut enchaîner, là on est là pour percer. Oh, regarde, papa, tu vas te mettre. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh my god. Regarde, je veux pas. Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Jeanne et Romane. Et aujourd'hui, on a eu une idée biscornue. Elle est saugrenue cette idée. On a décidé de devenir des grands-mères pendant 24 heures et de percer sur TikTok en tant que grand-mère. Ça va être incroyable. Alors pour ceci, on va avoir besoin d'une application qui nous transforme en grand-mère évidemment. C'est sur FaceApp, on va faire ça. Va falloir faire attention de pas se faire griller. Que rien qu'avec notre corpulence, on peut nous reconnaître. Oui, mais il faut avoir vraiment des petites attitudes de grand-mère, c'est super important. J'ai pris un vêtement qui peut être vraiment unisexe, uni-âge, et j'ai pris le même pour toi. Enfin, ok, mais on a mon dressing dans tous les cas. J'avoue que t'as un style grand-mère un peu. Mais faut pas que les gens reconnaissent tes vêtements. Mais je te jure, j'ai déjà mis un truc à toi, on a dit oh, ça c'est le truc à Romane, ça se voit et tout. Ok, ok, je vais ressortir le fond du placard. En fait, actually, c'est un peu mon rêve dans quelques années. J'aimerais qu'on soit des grand-mères sur TikTok. Mais c'est ça en fait, on se projette dans le futur. Ouais. Ça va être bien. By the way, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec les applications de nos jours, genre. C'est fou. Mais le problème, c'est que les gens ils reconnaissent maintenant les face apps. Parce qu'il y a plein de gens qui mettent des têtes de célébrités sur eux-mêmes et ça se remarque plus facilement. Non, mais attends, si les gens. Je viens de couper ma frange. J'ai du poil de frange ici. Si les gens gris, ils ont quand même beaucoup de talent. Hein, parce qu'on est grand-mérisés. Mais on avec cette application. Oui, mais on reconnaît nos faces. Oh my god. T'as vu, on reconnaît de malades en fait. C'est vrai qu'on reconnaît. Mais de près, on reconnaît. Oh shit. On reconnaît de malades, Romane. Oh. Il faudrait que tu changes ta coiffure. Freaking cute. Que tu m'enlèves ça. Ok, c'est parti. Alors là, Romane, il faut qu'on trouve un nom pour notre TikTok. Ok, j'avais pensé à Granny. Ouais, moi aussi, je voulais mettre un Granny. Granny Victory et... Oh, elle a pas compris le concept. C'est un TikTok en commun. Trouve un nom qui catch parce que le but, c'est de bah percer. Bah oui, bien sûr. Faut percer le plus vite possible. Faut qu'on comprenne qu'on est des sœurs. Les grand-mères 2.0. Oh mon dieu. Non, mais imagine, on a 70 ans. Okay. On dit, oh, on va sur les réseaux sociaux. Ouh. Attends, faut se mettre dans le personnage. Ouh. Non, ça c'est une cinquantaine. Hein. À la soixantaine, t'as plus d'effort, t'as plus d'énergie. Okay. En général, les vieux, ils aiment bien faire des jeux de mots. Ils adorent faire des jeux de mots. Faut qu'on se mette dans la tête une vieille personne niveau humour. Par exemple, ils adorent dire face de bouc ou des trucs comme ça. Il faut un truc dans ce style-là, je crois, avec TikTok. Oh, ok. Les grands-mères sur TikTok. Ça, c'est vraiment nul. Mais là, c'est un peu long, là, par contre. Les grands-mères TikTok. Oh, les grands-mères sur TikTok. Non, mais c'est trop éclaté, moi, j'assume pas. Moi, quand je vais être une grand-mère, je vais être vraiment genre dans les tendances et tout, faut pas croire. Hein. Mais non. Allez, tendance de quoi? Dans ma maison de retraite, je serai en tendance. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je propose les grand-mères toc-toc. Mais c'est la même chose qu'on vient de dire que tu voulais pas. On pourrait avoir des surnoms comme nos petits-enfants. Ils nous appelleraient Mamou et toi, Mamiche, tu vois. Mamou et Mamiche. Ah, je veux pas être Mamiche. Non, mais un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mimouche et Mimiche. Michemouche et Mache. Mache-mouche et la mouche. Michou. Michou et Squeezie. Non, du coup on fait Mamou et Mimiche. Parce que il y a un enfant, il dirait Mimiche. Oui, Mimiche. Attends. Ouais, je suis trop fan de Mamou et Mimiche. J'ai poster de Mamou et Mimiche. Mamou et Mimiche, ça va. Ouais, ok, ça marche de ouf. C'est fort, hein. C'est très fort, Mamou et Mimiche. Ok, on parle là-dessus. Qui est Mamou, qui est Mimiche? Bah moi je suis Mimiche. Ok, moi je suis Mamou. On dirait un mammouth. Bah Mimiche, on dirait que t'as des miches. Bah moi j'ai des michettes, y'a quoi? Bah y'a quoi? Je suis un mammouth, je suis un mammouth. En plus les mammouths c'est des espèces disparues qui ont trop la classe. Date de naissance, on est né en quelle année? Ils ont des grosses corps. On est des jumelles ou quoi? On est né en quelle année? Moi je dirais 1937. Je veux qu'on ait 83 ans. Tu sais que le filtre il donne la cinquantaine, il donne pas la 87. Ah ouais, j'avoue, ça va pas. De toute façon, on s'en fout, personne va voir notre âge, mais on va faire 1948. Ok, notre compte est créé Mamou et Mimiche. On n'a pas encore de TikTok dessus. Alors regarde, moi j'ai mis de côté le premier TikTok qu'on pourrait faire. Ça peut être un challenge des années 60. C'est de la musique. Oh, je suis tellement down sur un challenge des années 60. Mais montre. C'est baisse un doigt si tu connais. Donc nous on va tout connaître. On va bien apprendre les paroles et tout aux bons endroits. Mais on les connaît déjà les chansons en vrai. C'est des chansons que tout le monde connaît. Oh mais oui! Jack. Et à chaque fois on fait ah ouais, on se rappelle notre enfance. Quand t'es vieux aussi, même si on n'a pas la quatre-vingtaine, on a vraiment la cinquantaine, donc on est encore vivacité, on a encore de la vivassation. Mais normalement quand t'es un peu vieux, tu chantes pas ah la bouche grande ouverte. Oublie pas que quand on chante, c'est ok. Ouais, ça c'est bien ça. Donc tu vas t'habiller en grand-mère parce que là ça va pas du tout. On va te reconnaître en deux secondes. Tu vas m'enlever ta frange, faut que tu te transformes. Ok. Mais je vais être un vieux crouton mort. Hein. Oui, mais moi aussi je vais mettre. Faut qu'on ait l'air vraiment moche, sinon on va nous reconnaître. Mais moi je vais être fucking cute grand-mère. Grand-mère? Non. Ah, t'as prévu un outfit? Ouais, le même que moi. Mais les grand-mères elles portent mais pas si, du tout ça. Les pyjamas, ils portent des trucs comme ça. C'est grave uni-âge. Vous avez déjà vu une grand-mère en fucking One Piece? Mais oui, en One Piece comme ça, on va filmer juste les hauts. Alright, he's a power, he's a power.
sèche d'un. Faut bien changer nos cheveux, ok? Regarde ce que ça donne en caméra. T'as l'air d'être toi, tu vois. T'as encore trop ta frange. Ah, je ressemble un peu à moi, c'est vrai. Mets un chapeau. Qu'est-ce qu'elles mettent, les vieilles? Un béret. Ça va pas aller avec ça. Et ça, c'est pas du tout une tenue grand-mère. Ah, mais qu'est-ce qu'un enfant s'en fout? Mais tu veux que je mette un béret avec ça? Mais je vais ressembler à une fucking extraterrestre. Mais regarde, hein, tu sais, ça se voit, c'est les grand-mères qui essaient d'être stylées en mode. Ah, ouais, j'avoue. Faut changer de coupe. Je sais pas, mais une wig. T'as pas la tuque en mode fleur? J'ai une fucking wig, j'ai la wig de Sandrine. Mais parfait, va mettre ça. Et aussi, attends, il faut qu'on aille dans un endroit, ta maison, où on reconnaît pas ta maison. Parce que s'il y a une personne qui reconnaît, c'est true. Ok. Mais c'est parfait, ça. Ça, ça va être génial ici. Attends, mais parce qu'il me semble. On dirait un petit animal, le chien de ma mère. Mais attends, mais moi je vais être en fucking flic. Oh là, je vais me mochiser comme jamais. Faut vraiment être moche, ça. Ouais. Ouais. Non, mais par contre, c'est mon rêve de faire des TikTok quand je serai une grand-mère avec toi, ça. J'espère qu'on fera ça. Hein. Ouais. Oh fuck, je suis fucking moche. Ça ne va pas d'être vieux. Ça ne va pas du tout, falloir genre bistouriser tout ça. Ah, ça va être génial, vas-y mets la petite wig. Non, c'est pas ça. Okay. On n'a pas une autre comme ça. Non. Ça, ça me l'a bien. Ah, t'en veux une? Bah, ça aurait été bien. Bah, j'en ai quand même qui pourrait être transformée. Oh oui. Abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous à Mamou et Mimiche. Oh, Mamou et Mimiche. Pourquoi t'es la même personne? Ça change pas. Non, c'est parce que tu me connais trop bien, ça. Je suis pas la même personne. My god, si tu dis que je suis la même personne, je vais le prendre très mal. Mais t'es exact. Ça se voit que t'es Romane. Yo, je suis un fucking croton. Ça se voit que t'es toi. Alors, je suis un croton. Oh. Au secours. On est pareil. Ma maman. On a la même coupe. Tu as fait cette coupe, maman? Mais attends, c'est cette coupe de base. Attends, il faut que tu mettes tes cheveux sur le côté un peu. Ouais, t'es en train de clasher la coupe et ma mère, elle arrive avec exactement. Eh non, mais c'est trop bizarre. Mais c'est parfait, ça, Romane. Ouais, c'est bien. En plus, c'est blanc, mais c'est excellent. Attends, tu mets vraiment ça, par contre? Je mettais ça quand j'avais des robes vintage et tout. Mais je me souviens, t'avais mis ça à mes fiançailles. Je te jure, t'avais mis ce truc-là à mes fiancées. Oh, ce truc-là, vous êtes méchants. Mais c'est quoi? C'est un, oh my god. C'est un chat mort ou ouais, quoi? Ouais. Mais c'est fucking joli. C'est un chaman. C'est des jolis cheveux. Aïe. T'es le genre de fille qui a mal aux cheveux quand non, on... j'ai juste envie de faire chier. Parce que j'apprécie pas ce genre de personne. Et tes cheveux, frérot, tu pourrais alimenter une planète entière en cheveux, genre. Aïe. Oh non, ça y est. Ah là, tu m'as fait mal pour de vrai. Oh, mais n'importe quoi. Tu m'as tiré le petit cheveu. Hé, hey, dans la vie, hein. Allez. Oh, hé, hey, arrête. Ah. Tu te tiens bien? Oh là là! Tu tiens mes cheveux. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends. Laisse-moi faire! Je suis une pomme de terre ou quoi? Pourquoi tu mets un filet comme ça autour de moi? Une patate rainette! Ça rend pas ma grosse mais tête. Mais si, ta grosse tête en forme de fucking pastèque. J'espère que personne va nous reconnaître. Hein. Mais on est irreconnaissable, regarde-nous! Si. Parfait! Allez, let's go! C'est ultra réaliste. Regarde, je vais essayer d'aller dans les angles où on me reconnaît pas du tout. Regarde, même quand je mange. Shit. On dirait que c'est une mamie qui fait du sport et qui est super. Alors, vas-y, toi, viens. Regarde ça, j'ai trouvé un accessoire. Avoue que ça fait genre la grand-mère qui veut rester jeune de ouf. Mais faut pas avoir l'air trop déguisée non plus. Non, non, mais je suis pas déguisée là. Je suis genre bien. On te reconnaît, toi, putain. Pourquoi on te reconnaît comme ça? Tu trouves? Mais de ouf. Vas-y, monte-toi. Bon, attends, on te reconnaît pas trop. Mais je change de tête aussi. Okay. Je change un peu de tête. Ouais, voilà, voilà. Ok, faut que je mette la bouche vers le bas. Premier TikTok, on va faire le baisse un doigt-ci version années 60. Mon sourire c'est le même, tu sais. Tu crois les gens ils identifient les fucking molaires genre? T'es prête? Ouais. On a changé d'idée parce que la première est trop claquée. On va pas garder la première. En fait, on va faire des petites scènes. Ça peut bien fonctionner, je pense. Du coup, on a réfléchi à une petite scène où en fait, Jeanne va jouer ma petite fille et va me filmer, genre comme une fausse scène, tu vois. Je vais jouer le rôle de la mamie fucking botoxée. Ouais. Ça me convient. Qui va m'encourager à faire des injections. Encourager. C'est tellement moi. Mais dis pas ça. C'est mauvais. Non, toi, tu bois ton café. Et puis, tu dois pas savoir que je te filme. Les grand-mères, elles savent pas que tu les filmes. Ok. Donc, tu pars dans ton coin et tu fais pas genre je te filme. Tu devrais enlever ta casquette. Bah alors, je mets un châle ou quelque non. chose. Non, comme okay. ça. Je suis cute ou quoi? Là, t'es sur ta tablette. Fais comme ça sur la tablette avec un doigt. Ah, faut pas que je rie. C'est pas mal ça le visage. Attends, j'essaie d'avoir un bon angle. Attends, on voit qu'il y a rien là dans ta tablette. Ah mince. Oh, je sais pas, mettre du caca ou un truc brun. Ouais. Attends, c'est quoi ma voix? Ah ouais. Shit, faut falloir que je parle. Ah, attends, à ton âge. Non. À ton âge, j'en avais déjà fait depuis. Non, mais pas trop. À ton âge, ok. Ouais, c'est bien ça. À ton âge. Ah, mais là, ça va. Tes cils sont tellement abuses que t'es pas une mamie avec tes cils comme ça. Putain, pourquoi t'as des cils? Tu peux pas mettre des lunettes? Mamie, j'ai rendez-vous pour refaire les seins dimanche, t'en penses quoi? Moi, ma grande, ça fait longtemps qu'à ton âge, j'allais tout refaire. Fais tout, hein, c'est pas besoin. C'est bien ou pas? Je sais pas. J'ai rendez-vous pour refaire les seins dimanche, t'en penses quoi?
On fait tout, hein. Laisse la tête un peu avant. Ok. Je t'apprends que je vais me refaire les seins. Ok. J'ai l'impression d'être sous alors que j'ai pas vu un verre. Tu peux me regarder et faire. Oh, ok, je vais te juger. Moi, à ton âge, j'avais refait tout depuis longtemps. Hein. Vas-y. Oh, mamie. L'échange est bien. Ok, je le garde. Deuxième TikTok, on va jouer sur la mort par rapport à notre âge. Du coup, ça va être bien. On a trouvé un TikTok comme ceci. I feel like I'm dead. I'm alive but I'm dead. On reste l'une sur l'autre. Ok, mais j'ai qu'à faire ça. Et genre, je reviens d'un coup sec, tu vois. Ça passe là comme ça. Ah, moi j'ai mal au cou quand je fais ça là. I feel like I'm dead. Non, I feel like I'm dead. I'm alive but I'm dead. You know what it feels like to feel for somebody. Ok, c'est bien ça. I feel like I'm dead. I'm alive but I'm dead. You know what it feels like to feel for somebody. C'est drôle. Ça se voit tellement que c'est nul quoi. Ouais, un peu. Tellement. Troisième TikTok. Ouais. Il y a ce TikTok où tu utilises une chanson et en fait tu dis je connais bien ma femme, mon mari, ma sœur, whatever. Elle aime bien ceci ou il fait cela. Et ensuite il y a une chute et faut que ta chute elle ait un rapport, tu vois. Je sais que c'est un peu bizarre expliqué comme ça. Je vais vous donner un exemple. Je connais bien mon mec, il est plus petit en taille que moi. Et ensuite elle dit et pour la vie il sera toujours à la hauteur pour moi, tu vois. J'ai un truc. Ouais, un petit jeu de mots, tu vois. Donc là on a trouvé une phrase, on va dire je connais bien ma sœur. Elle aime pas aller chez le coiffeur. Je suis une mamie radine. Et pour la vie, je serai son coiffeur. Donc c'est un peu éclaté, mais c'est le seul truc qu'on a trouvé. Hein. Franchement, il est tard, on est fatigué. Et il faut qu'on trouve des. J'ai pas bu ma tisane du soir. Je suis censée faire ma sieste, j'ai même pas fait ma sieste. Moi, j'ai pas pris mon bain, j'ai pas bu ma soupe. Ah, putain, c'est dur. Est-ce que c'est bien? Ok, mais faut que tu sois dégueu. Oui, tu t'attends pas à ce que je trouve. Tu m'as pris au fucking dépourvu. Regarde les croquettes du chat et sois un regard vide. J'essaie d'avoir un nom, mais on dirait pas moi. Voilà, on dirait pas moi, là, c'est bien. Pas mal hein. J'essaie d'aller vite pour pas qu'on trouve. Bah ouais, bien sûr. On le garde alors. Là on a fait un stock de 4 TikTok. Pourquoi? Parce que le dernier il y en a un qu'on va pas poster parce qu'il est trop éclaté au sol. On va les poster demain parce que là il est un peu tard. Et l'aventure va commencer à partir de demain. On va mettre nos visages de grand-mère sur le net. J'espère qu'on aura plus qu'une vue. J'espère qu'on va pas nous reconnaître. C'est tellement obvious que c'est nous. Non mais ça se trouve on aura juste zéro vue en fait. C'est possible qu'on va être dans le dark TikTok hein. On va être genre possible, Shadowban. Faut rester optimiste, j'ai 3 à demain. Keep in touch. Qu'est-ce que tu fais Sandrine là? Bonjour maman qui pour le TikTok. Là, c'est l'heure de publier notre premier TikTok sur notre chaîne commune. Il faut que je me maquille pour mon TikTok. Là, je voulais mettre en description notre premier TikTok. Mais on met l'hashtag for you page et tout. Franchement, ouais. On est obligé pour percer. Hein. Parce qu'on n'est pas connu. Hashtag grande maf TikTok, genre. Ouais, de ouf. Trois granit. Notre premier TikTok avec un point, avec 3 points d'exclamation. Ok. C'est vrai, ça marche bien là. Bon, du coup. Ah oui, du noir sous les yeux. Je fais un trait comme ça. Ouais. Ouais, voilà. C'est super ça. Non, elle suit pas. Ça coupe parce qu'elle voit pas bien sur les lunettes quand elle se maquille. Ok, parfait. Bon, du coup, on poste. Oh, le stress, ça. On poste en même temps. Mais t'es con, comment? On met nos doigts en même temps. Non, mais c'est notre premier TikTok. Allez, vas-y. Ok. T'es prête, Michette? Vas-y. Ok. Allez, mamou. On met nos doigts en même temps. Ok. 3, j'ai peur. 2, 1. Faut pas qu'on se grille. Publié. Putain, j'ai peur que les abonnés reçoivent une notification. J'ai peur. J'ai tellement hâte de voir s'il y a des commentaires déjà, s'il y a des vues déjà. Il y a personne qui va voir. Cette vidéo, elle me met vraiment pas en valeur. Tu ressembles à un chou de Bruxelles. C'est méchant. Mais c'est vrai. S'il te plaît, sois jamais comme ça. Non, peut-être. Bon, on n'a pas d'image de profil sur TikTok. Mais oui, c'est pour ça. Les gens, ils vont jamais s'abonner à nous. Bah oui, il faut absolument qu'on travaille notre branding. On fait une photo, oui. Ok. Ils savent pas trop faire des photos. Hein. Ok. Donc là, ça c'est bien, une en arrière. Donc que je vois ça, non? Ça c'est bien, c'est vraiment laid. Je suis en train de ruiner toute mon self-esteem. Okay. J'aurais aimé être une jolie grand-mère, je suis déçue de ce que tu voulais vla être stylée. Mais je voulais être fucking. Il y a des cute grand-mères sur TikTok, genre elles sont vraiment trop mignonnes, trop belles. Mais toi, tu peux pas être comme ça, désolée. Cette vidéo me fait très mal. T'es ok pour ça? Ça te va? Oh super, j'ai regardé une fucking tortue, ouais, c'est génial. C'est parti pour la photo de profil. Ça va nous aider à avoir des vues. 3 vues. 3 vues. Attends, il y en a une à moi, une à toi, donc en fait on en a une. Non mais il y a une vue, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vu. Bon, mon avis c'est que pour percer il faut qu'on aille dans une danse sensuelle. Et du coup on a trouvé une petite danse, genre sur du Britney Spears. Ouais, c'est pas mal. Mais ce qui est bien c'est que du coup je suis pas obligée de bien danser. Et ça fait plaisir. Ouais, du coup ouais, t'as une excuse. Ça fait plaisir, j'ai une excuse. Session d'apprentissage. Premier move, regarde. Ça. Ça. Ouais, bon, vas-y, fais-le comme tu veux, ok? Tu l'as? Ouais, je l'ai. C'est bien! Un truc comme ça, quoi.
Qu'est-ce que tu fais? Non mais là on perce pas, il faut percer ça. Faut qu'on soit des grands-mères sexy, on n'a pas le choix. Faut oublier le châle. La stratégie doit être beaucoup plus... Mais de où? Vas-y, mais donne-moi un... Ok, vas-y, même. Vas-y, je vais m'occuper de toi, Sol. Merci. Ok, ça, on va refaire le dernier TikTok en grand-mère sexy, ça va être beaucoup mieux. Il faut percer, mais il faut pas se faire ban. On va se faire ban, c'est certain. Si on se fait ban, notre deuxième TikTok, c'est sûr, genre regarde, ça ressemble à rien. Non mais là, on est désespérés, Sol, regarde-nous. De on veut tellement percer. Il faut percer en moins de 24 heures. Ok. C'est exactement ça qu'il faut. Là, l'idée, c'est de faire un TikTok, on est de dos, tu vois. Et genre, ça va être écrit qui a dit que les grand-mères n'étaient pas sexy. Et on va se retourner. Et boum. Et là logiquement on perce ou on se fait battre. C'est possible. Un des deux. J'ai tellement l'air d'une cougar, c'est terrible. Ok, allez. Faut que tu sois sexy maman. Oui, t'inquiète. Sexy et raffinée à la fois. Non mais ça va pas, je suis totalement à poil là. Faut pas se faire ban. Ok, bah il faut cacher un peu. Non, de la non, peau, non là. Mais tu peux montrer un peu. Mais non, je vais pas montrer mes hanches. Si, si. Mais attends, parce que moi je veux qu'on voit mon cuir un peu, tu vois. Non, on verra. On a tous aimé fesses, Soy. Non. Mais tu les lèveras. On se tourne. T'es prêt? Ok. On a bien vu les rides. Je sais pas, mais moi je fais Claude François, je fais comme ça. Ah ouais, c'est ça. J'arrive pas à être une sexy mamie. Salut, c'est Mamou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à base de danse et de fun. On poste le deuxième TikTok, guys. Et sur le premier TikTok, on est déjà à 10 vues. Non, c'est pas ouf, mais là on va percer, les gars, on va percer. Qui a dit que les mamies n'étaient pas sexy? Oh là 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 là, ça va faire le buzz, ça. Ça buzz pas, ça je comprends plus rien. Ça je comprends plus. Je comprends plus. Ah bah ça je comprends plus. Allez, oh, on passe, c'est vrai. Ok, attends, attends. 3, 2, 1. Oh my god. Imagine, je suis sur mon mauvais compte TikTok. Je sais pas, mais là, rendez-vous dans quelques instants pour un maximum de buzz. C'est l'heure de poster notre troisième TikTok, celui qu'on a tourné hier. I feel like I'm dead. I'm alive, but I'm dead. Voilà, on espère qu'on va buzzer avec ça, hein, comme d'habitude. Ouais. L'objectif est le même. Mais là, on teste tout, hein, la sexiness, l'humour sombre. Franchement, on teste vraiment différentes choses. Quelques hashtags. For you page, grandma, granny, la totale. T'es vraiment en train de mettre hashtag mimiche, tu penses ça va nous aider à percer, genre. Ok, je mets pas hashtag mimiche. Hashtag grandmas of TikTok, c'est bien ça. Ouais, ok. On fait la cérémonie? La cérémonie. On gaze un bonzi, ma mouche. 3, 2, 1. Oh my god. On est déjà à 30 vues sur le premier là, mais c'est pas beaucoup. Oh, hein. Non, c'est énorme, c'est énorme ce qui se passe, les gars. Moi j'ai hâte au premier commentaire. J'ai vraiment hâte, moi c'est ça que j'attends. Oh my god. Les gars, c'est incroyable. On est en train de buzzer là. On est en train de faire le buzz. Non mais la pression est à son comble. Ça veut dire que là ça va monter de 10 flèches en quelques minutes là. Oh my god, oh my god. Là on va faire ça. Et là oh, reveal. Mais tu vas faire le même tête. Allez, voilà, je te filme comme ça. Et je me sens frais, je me sens. Allez, t'es prête ou quoi? Ok, je suis pas prête. Ris pas Vincent, c'est bien ça. Attends. Oh non, c'est trop laid. C'est bien ça. Oh non, c'est oh. Allez, on va faire là. Non, c'est trop malaisant. Ok, mais fais-le bien. De toute façon, c'est tout malaisant là. Putain, mais qu'est-ce que je fais de ma fucking vie? Allez, t'es prête? Oui. Attends, je vais donner un coup. Il faut qu'on voit quand même mon body un peu. Oui, 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 voilà. Attends, on voit pas ton corps parce que tu mets trop ta main devant. Faut qu'on voit comme ça. Fais comme ça. Ouais. Faut donner envie aux spectateurs de regarder le TikTok. Oh waouh, ok. Sinon on percera pas, Orlan. T'es prête? Ouais. Ouais, c'est bien ça. Arrête maintenant. J'arrive comme ça. C'est bien ça. C'est horrible. C'est bien, au moins on peut tester ça. Le petit sourire. Le sourire coquin. Non. Non, il est parfait. Oh, oh regarde, je mets pas ça sur la tête. Mais personne va le voir, c'est fucking drôle, Romain. C'est la pire chose. On va percer, Romain, grâce à toi. Je sens ma une cougarieuse. Je fais ça parce que ça te fait rire. Oh, c'est parfait. Oh non. Oh non, tu l'arrêtes. Je suis le marron, mais j'assume pas ça. Mais non, j'assume pas. Mais ça se voit que t'as envie d'exploser de rire, c'est fucking drôle. Qu'est-ce qu'on a fait? Il est trop bien fait, on dirait un vrai. Bah oui, il a l'air fucking gênante. Oui. Ben comme les vieux, c'est comme ça. Comme les vieux, genre c'est du génie. C'est horrible. C'est pour ça qu'il faut faire une shot des premiers coups. On poste la première, après ouais. C'est trop calculé, je te dis. C'est parfait comme ça. Les vieux, j'ai tellement pas me foutre dans le TikTok, c'est horrible. Une heure plus tard, Jan rigole encore sur TikTok. Non ouais, écoutez, la version sans son, je crois que j'ai posté sur mon TikTok parce qu'il est énorme. Ouais, c'est bien ça.
C'est bien ça. Ouais, ouais, c'est bien ça. C'est horrible, j'assume pas. Regarde, maman. C'est bien ça. Ah, ah, la poufiasse. Nouvelle journée en tant que Sandrine. Je suis tannée de porter cette fucking wig. Jeanne va arriver d'une minute à l'autre et on va faire le point sur le TikTok. Voir si le TikTok a percé. Il y a intérêt qu'il perce parce que là j'ai tout donné. Bon, on se retrouve pour regarder les résultats de nos vidéos postées hier. On a 3 vidéos. À combien de vues tu t'attends? Alors moi, vu comment c'est parti, je me dis que sur le premier TikTok, on va faire à peu près 100 vues. J'espère vraiment avoir 2 commentaires au moins. Et pour les autres, je m'attends pas à grand chose, genre 30-40 vues. Genre. Ok, mais moi, sans faire exprès, j'ai regardé hier soir en rentrant à la maison. Oh non! Donc j'ai un petit aperçu, mais par contre, j'ai pas du tout le résultat qu'on a aujourd'hui parce que ça change beaucoup, d'accord? Je vais pas te dire ce que j'ai vu hier. Quoi? Quoique j'ai envie de te dire ce que je t'ai dit ce que j'ai vu hier soir ou pas? Ou tu veux avoir direct le résultat final? Ok, non, dis-moi ce que t'as vu hier soir ça. J'ai vu qu'on nous a démasqués. C'est tout ce que je peux te dire. Et aussi j'ai une autre question, à combien de vues tu décides qu'on a percé? 10K. Ok, bon, on a percé, c'est sûr alors. Ok, ok, 100K. Parce que sur TikTok, ça fait boule de neige. C'est-à-dire que si les gens commandent, qu'ils nous. Ok, ok, ok. 100K. 100K, on a percé. Bon, je sais pas du tout comment on va avoir. Je t'ai dit direct. J'ai pas regardé aujourd'hui. Oh non, la pression. T'es prête ou pas? Oh my god. Je regarde en premier avec Vincent. Regarde. Je veux pas, je veux pas. Oh. C'est un chute. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Vous avez percé. Oh, 500K. Un demi-million de vues, guys. Non mais Romain, on a percé de ouf. Oh shit, on a tellement percé. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis tellement choquée, genre je me disais qu'on allait faire genre 300 vues. Toi tu disais 10K, on a percé. Je disais 300 vues, max. On a 400 commentaires sur le premier TikTok quasiment. 450. Ah mais Romain, Jeanne. Jeanne et Romain dans 60 ans, j'ai reconnu Jeanne direct, j'ai reconnu direct. Peut-être une vidéo, hein. Les filles, on vous reconnaît, oh non. Mais c'est trop réaliste par contre. Ah c'est trop réaliste. Elles sont grave crédibles. J'ai pris du temps à vous reconnaître. Oh non, on est cramé de ouf. Et mais Roman, tu sais que ça va me briser le cœur de supprimer le compte en fait. Mais je tiens ce compte à ma mouille mimi. Va falloir une fois par semaine qu'on crée du contenu. C'est sûr. Hein. POV, on est en 2082. Ça sent la nouvelle vidéo. Il se passe quoi? Vous avez géchant les filles. Ah, c'est trop drôle. Attends, on a tellement percé. Oui, mais on a pas percé en tant que grand-mère, on a percé en tant que nous, car mais tu croyais quoi? Tu croyais vraiment qu'on allait percer en tant que grand-mère? Ça n'existe pas. Iconique en toutes circonstances. Ah non, le hashtag granny, c'est pour me tuer. Attends, faut que je lise tous les commentaires, c'est trop drôle. Elles ont cru qu'elle passerait incognito. Moi, je savais, il y a juste toi qui as cru. Moi, je savais très bien. Et moi, j'avais de l'espoir, je me disais, je sais pas, j'y croyais. On est les mêmes personnes. Toi, tu crois trop, tu changes avec le fil. T'es exactement la même personne. Ça fait pas plaisir, ça. À part 3 rides, il y a aucune différence. Ça fait très mal. Ok, je veux voir les autres commentaires des autres vidéos. Celle-là, c'est celui qui a moins percé avec 57 000. Qui a dit que les mamies n'étaient pas sexy? Vous êtes genre des sugar mamies. Elles sont en roue libre. Imagine, il y a des gens qui nous ont découvert grâce à ça. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un souvenir. Ah, c'est les youtubeuses grand-mère. Oh my god, les cheveux remis, ça change. Ah, tu vois quelqu'un qui dit que tu changes quand même. Sa perlipopette, mamie de gauche, n'a pas perdu son enthousiasme d'ado. Material girl. 100% c'est pour une vidéo YouTube, reconnue direct, Jeanne. Ces femmes m'épuisent. Prochaine vidéo, YouTube percée en 24 heures. Elle pensait vraiment qu'on allait pas les reconnaître. On a fucking 8 ans, genre. On fait des petits pranks, genre, ah, on va pas le reconnaître. On se cache derrière un arbre, genre, et on va. Quand tu penses que tu fais ça, t'es caché, genre. C'est exactement. T'es con ça. Ou t'es con? Wow. Non, pas ça, on a trop peur. Bah ouais, on va poster un autre, on va poster. Je veux pas, non, 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 si non, c'est le. Bah, je le poste sur mon TikTok alors. Non. Bah, je vais le poster, je l'ai dans mon téléphone. Mais c'est parfait. Non, c'est la tête de camasse. On va s'engueuler alors. Allez. Oh non. Attends, mais je le pose d'abord. Non. Oui, c'est l'heure, il est très. Non. Si. Je peux le voir. Non. Je suis pas bien. J'ai envie de vomir, soy. C'est quoi? Non mais là je t'explique, c'est horrible parce qu'on a percé, c'est-à-dire que je sais que ça va faire des views maintenant. Eh, hey, regarde combien on a d'abonnés. On a combien d'abonnés? On a, oh ça va, on a 8761 abonnés mais ça monte vite. Oh, quel enfer. Je pense qu'on va dépasser le million hein, sur la première vidéo. C'est la gênance incarnée. Hot grandma. Oh, c'est horrible. C'est le challenge, vous assistez à la fin de ma carrière. Et le début de la carrière de Mimou et Mimich. Publié, c'est pesé. C'est publié, toc, créateur toc, tendance. Toc, 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 toc. Je vais aller liker tout de suite parce que c'est mon TikTok préféré.
On peut dire que le challenge est amplement réussi. On avait un défi, c'était de percer sur TikTok en tant que petite grand-mère, Mamou et Mimiche. Franchement, c'est super réussi. Pour mon plus grand malheur. Tu pensais vraiment pas qu'on allait faire autant de vues? Ouais, franchement, j'étais choquée. On a fait plus d'un million de vues au total. C'est incroyable. C'est fou. Non, mais c'est incroyable. Regarde tous ces abonnés. Ouais, mais par contre, ça va me tuer de supprimer le compte. Non, écoute, on va pas le supprimer. On va le garder mais on va l'alimenter. Bah, vrai, tu mens. Je mens. Tu vas prendre le temps d'alimenter. Ouais, non, c'est sûr. Déjà, je suis pas active suffisamment sur TikTok. Mais on le gardera pour la postérité. On le garde pour le temps de quelques mois, juste histoire de s'y détacher lentement, tu vois. Ou alors on le garde et on compare avec nos vraies têtes dans 40 ans. Ouais, mais par contre, je vais vraiment garder ces vidéos là hein, pour comparer. Bien sûr, bien sûr. C'était une super expérience pour vrai. J'ai trouvé ça tellement troublant. Ce filtre là est insane. Genre, c'est incroyable. Mais il redonne confiance en soi, c'est ça qui est bien. Au lieu d'utiliser des filtres beauté sur Instagram et tout, utilisez ces filtres là. Comme ça, quand vous les enlevez, vous avez grave confiance en vous. Confiance en vous, c'est une excellente technique. Ouais. Et puis aussi, ça me fait penser que, genre, on pourrait être des petites vieilles mamies TikTokeuses et on pourrait être heureuses comme ça. Il n'y aura plus TikTok dans 50 ans. Ah, c'est vrai. Il y aura une autre application qui s'appellera Schtroumpf Mouth. Et il y aura des extraterrestres sur la planète et des reptiliens. Ouais, probablement. J'ai hâte d'être une petite mamie et de faire des pranks, et des TikTok ou d'autres choses. J'espère que tu n'auras pas cette coupe-là. Non, moi non plus, j'aurai pas cette coupe-là. C'est sûr. Je la retire officiellement aujourd'hui. Moi, j'aime bien ma coupe, je pense que je l'aurai. Tu disais? Moi, je pense que j'aurai cette coupe-là, j'aime bien. Moi, je pense pas que j'aurai cette coupe. Ça se trouve, ce sera la mode. Hein. Ça? Ouais. On dirait un alien. Abonnez-vous. Bon, bah voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vais pouvoir récupérer ma dignité. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et nous, on vous fait de très gros bisous. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.